Bienvenue dans ce nouveau vlog et que diriez-vous de commencer ce vlog par un petit book haul? Ça ne serait pas fantastique ça? Alors nous sommes lundi 25 janvier, il est 11h45. Ce matin qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire une petite promenade, ensuite j'ai préparé des colis pour Vinted et ensuite j'ai filmé un journal with me. Donc c'est cool, petite matinée productive, c'est sympa. En plus ce matin quand je me suis réveillée j'ai lu un manga en entier. Je me suis réveillée tôt, du coup j'ai eu le temps de le faire avant le petit déjeuner. J'ai lu le tome 3 de Made in Abyss. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai rendu à la personne qui me l'avait prêté. C'est la copine de mon frère qui me l'a prêté. Elle m'a prêté le tome 1, 2, 3 et bientôt le 4, j'espère. J'espère bientôt parce que je l'aime beaucoup ce manga. C'est un manga, je sais pas comment faire un résumé de ce truc. C'est dans un monde, je crois que c'est dans le futur. Je sais pas vraiment si c'est de la fantasy ou si c'est genre dans un futur ultra lointain. Mais c'est un monde en gros où il y a un trou colossal, une abysse très profonde où il y a des explorateurs qui vont faire des missions pour remonter des reliques. Et donc il y a une petite fille qui est orpheline et qui est une exploratrice très novice qui veut être une exploratrice experte, ce qu'on appelle un sifflet blanc, c'est ceux qui descendent le plus profondément et parce que sa mère aussi était un sifflet blanc. Et donc elle veut aller au cœur de l'abysse, elle est vraiment genre attirée par ça. Et voilà, c'est ça le résumé que je vais en faire. C'est vraiment cool, vraiment sympa, l'histoire est hyper prenante, c'est hyper immersif. Et ouais, j'aime beaucoup, donc j'attends la suite avec impatience. Mais en attendant, petit book haul. Alors j'essaye de ne pas acheter de romans parce que j'en ai beaucoup beaucoup à lire. Mais les romans graphiques, déjà commençons par le plus excitant. Je me suis acheté Heartstopper 3, le volume 3 du coup de Heartstopper. Mon dieu, j'ai tellement hâte de lire. Oh mon petit bébé. J'ai relu là, il y a une semaine, j'ai relu le volume 1 et le volume 2 en anticipant du coup la lecture du volume 3. Et j'ai... Ah, rien que de le feuilleter comme ça, ça me... J'ai trop hâte de les retrouver tous là. J'ai trop hâte. Et voilà. Donc je pense que je vais le lire cette semaine, parce que déjà la semaine dernière je voulais le lire et je l'ai pas lu, donc je vais sûrement le lire cette semaine. Ensuite, deux romans graphiques que ma maman m'a offert. On est allées à la FNAC toutes les deux et bah elle m'a offert deux romans graphiques parce qu'elle est trop gentille. Le premier c'est Tout ce qui reste de nous de Rosemary Valero O'Connell. C'est un recueil de trois nouvelles, de trois histoires plutôt. Et en fait ce qui m'a donné envie c'est surtout les dessins qui sont vachement très jolis. Il y a une palette de couleurs que j'aime beaucoup beaucoup. C'est souvent monochrome par page, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment très très joli et ça m'a donné très très envie. Et le deuxième c'est Les Indésirables de Kiku Yug, je sais pas trop comment ça se dit, désolée. C'est un roman graphique qui m'a donné beaucoup envie par son résumé parce qu'en fait ça se passe dans les années 40, juste après Pearl Harbor, et on suit une américano-japonaise qui va donc vivre cet après Pearl Harbor aux États-Unis. Et c'est une époque que je ne connais pas du tout et je sais qu'il s'est passé des trucs très très graves mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, et donc je pense que ça peut être extrêmement intéressant que je me renseigne, enfin que je me cultive un peu sur ce sujet qui est hyper hyper important. C'est une époque où les japonais américains étaient accusés d'être des ennemis de la nation alors que, enfin par leur propre gouvernement. Et je trouve que, enfin je sais pas, moi j'en ai jamais entendu parler à l'école, genre on m'a jamais enseigné ça, on m'a jamais parlé de cette époque, on m'a jamais parlé de ça, et je trouve ça vachement dommage parce que c'est quand même vachement important comme épisode de l'histoire. Et puis c'est, je sais pas, c'est, ça explique tellement de racisme banalisé et de racisme institutionnalisé. Je sais pas si vous en avez entendu parler à l'école, genre si vous avez été enseigné cette période de l'histoire. Mais moi, pas du tout. Ou alors j'ai oublié, mais je pense pas. Enfin bref, j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir cette histoire. Et enfin, un recueil de poèmes qui s'appelle « Tu es la plus belle chose que j'ai faite pour moi » et c'est de Elvina Sastre. C'est un recueil de poèmes que j'ai trouvé, je suis allée en librairie en fait, dans l'optique de trouver un recueil de poésie française. Et de poésie contemporaine française. Et après avoir regardé dans le rayon poésie, je me suis dit que celui-là c'était celui qui me tentait le plus. En plus il est super joli, bah, j'avoue que c'est un peu ça qui m'a fait le remarquer au début. Il y a des petits dessins dans...
à l'intérieur et j'aime beaucoup qu'il y ait des petits dessins à l'intérieur. Et du coup, bah, j'ai super hâte de découvrir. Je connais pas du tout l'autrice, j'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu parler de ce livre. Mais en fait, c'est parce qu'en ce moment, je commence un peu à réécrire de la poésie et du coup, bah, j'avais envie de lire de la poésie. Ça m'a donné envie de lire de la poésie, de la poésie française. Et je voulais, je sais pas, des inspirations, des trucs comme ça, voilà. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, donc voilà. En plus j'avais un bon à l'armitière, donc ça ne m'a pas coûté de sous, donc ça c'est vraiment, on adore. Donc voilà pour ce petit book haul, c'est tout du coup pour l'intro de ce vlog qui a duré un peu longtemps, mais j'aime bien faire des intros un peu longues au vlog, je sais pas pourquoi, en ce moment j'aime bien. En ce moment j'aime bien beaucoup parler dans les vlogs. En même temps il faut dire que je ne fais pas grand chose, donc j'ai pas grand chose à filmer, donc au final je me retrouve juste à parler et à blablater et à dire des choses pas forcément intéressantes, mais bon, j'aime bien, ça me fait du bien en plus, c'est sympa. J'ai l'impression de parler à des amis. Donc voilà, j'espère que le vlog vous plaira. Mardi, il est 10h et je vais vous faire une petite update lecture. Ce matin, j'ai commencé le livre audio de Truly Devious de Maureen Johnson en prévision de ma lecture du tome 2 qui est The Vanishing Stair. Je vous l'avais vu dans mon book haul de Noël, je l'ai eu à Noël et du coup je voudrais le lire, sauf que j'ai pas assez de souvenirs du tome 1, du coup j'ai relu des résumés sur internet, mais c'était pas assez. Et je me suis dit que autant le relire plutôt que de relire un résumé vraiment très très détaillé, autant que je le lise carrément, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup j'ai commencé le livre audio. C'est pas un livre que je conseillerais de lire en livre audio pour la première fois parce que faut s'accrocher je trouve, enfin en tout cas pour moi, mais comme c'est une relecture ça va. Et je suis trop contente de retrouver tous les personnages et tout et de retrouver l'histoire, j'adore. J'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Et sinon, ma lecture en cours, c'est aussi Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones, qui est le livre qui a inspiré Le Château Ambulant, donc des studios Ghibli. Je suis à la page 129, c'est trop trop cool pour l'instant, j'apprécie vraiment beaucoup, je passe un trop trop bon moment, c'est vachement prenant, et c'est hyper magique et tout, et j'aime trop essayer de comprendre un peu le personnage de Hurle, essayer de le saisir, parce que c'est un personnage hyper unique et hyper difficile à, bah, à saisir, et j'aime trop justement essayer de le comprendre, essayer de comprendre comment ça marche dans sa tête et comment il fonctionne. J'aime trop le personnage principal, le personnage de Sophie, je la trouve trop cool et trop drôle. J'aime vraiment beaucoup beaucoup et je suis bien curieuse de savoir où est-ce que l'histoire va nous mener, même si j'ai vu le film. Je pense que ça, il va y avoir un peu des différences au bout d'un moment. Pour l'instant c'est assez ressemblant, mais je pense qu'il va y avoir des différences, surtout que là il vient d'y avoir une différence assez majeure. Et voilà, j'adore. Je suis trop contente, j'ai fait une demande sur Netgalley pour un titre qui me faisait vachement envie, qui s'appelle Fille Unique. Je me rappelle plus des auteurs, mais je vous mettrai la couverture ici même. C'est un livre qui parle de la politique de l'enfant unique en Chine et ça a l'air trop trop intéressant. Je l'ai vu sur le compte de Luna Book Addict sur Instagram, qui est un compte d'ailleurs mais
avec des photos sublimes et elle a lu Fille unique et je sais pas, il m'a donné trop envie, il m'a appelée. Et voilà. Donc voilà, je suis contente et là, je vais aller faire des commandes pour ma boutique. J'en ai 3, je crois, à envoyer. Donc je vais les préparer et peut-être aller les poster, je sais pas, j'ai la flemme de ressortir et de remarcher. J'ai fait une très longue balade parce que je voulais écouter un max de mon livre audio. J'ai fait une très longue balade et je suis un peu fatiguée des jambes et je sais pas si j'ai la force de ressortir dans le froid. Alors que là j'ai déjà froid et je me suis mis genre j'ai mis un énorme pull parce que je veux être bien au chaud et je sais pas si j'aurai la foi de ressortir pour les poster aujourd'hui. Mais pour l'instant il faut que je les prépare déjà. Le mot du jour c'est stress. Il faut que je trouve un master. Si vous n'avez pas suivi, cette année j'ai essayé de faire un master édition et j'ai pas réussi à tenir le coup mentalement. J'ai arrêté au bout de genre 2 semaines. Disons que j'étais pas bien mentalement et j'étais pas dans le bon mental space pour commencer à faire un master. Du coup j'ai arrêté. Pour prendre du temps pour moi. Et du coup, l'année prochaine, je veux retourner à la fac. Je veux pas arrêter mes études. Je veux retourner à la fac. Cette année, c'est juste une pause. C'est pas un arrêt définitif. Et je voudrais faire un master. Sauf que je ne sais pas si je continue. Enfin, si je reprends à zéro mon master édition que je faisais à Lille. Dans cette fac que j'aime trop, que j'adore. Ou si je choisis de postuler, enfin je peux postuler pour 2 masters je pense, je crois, je sais pas. Ou si je fais un autre master qui est pas au même endroit, qui est dans une fac que je connais pas trop mais que je crois être un peu moins bien que celle de Lille, mais qui est un master de création littéraire, qui est genre le master de mes rêves. Déjà que le master édition c'était pas loin d'être le master de mes rêves, mais genre le master création littéraire, en fait... C'est un master qui me paraît trop beau pour que ce soit une bonne idée de le faire. C'est-à-dire que les cours ont l'air tous géniaux. Mais qu'est-ce que je vais faire d'un master de création littéraire quoi? Genre, est-ce que ça va pas me finir est-ce que ça va pas me mettre au final à la rue? Parce que... Enfin, qu'est-ce que je vais faire d'un master de création littéraire? En plus, je connais pas ce que, je sais pas ce qu'il vaut. C'est un master qui est au Havre et je sais pas ce qu'il vaut. J'en ai jamais entendu parler à l'extérieur. J'ai jamais eu d'écho de ce master. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Donc je sais pas si je choisis l'option de la sécurité. Si je retourne à Lille pour faire mon master édition,
Tout ça, c'est à condition que je sois acceptée, bien sûr. Soit je retourne à Lille pour refaire mon master édition, soit je suis mon rêve et je vais faire le master de création littéraire. Sauf que je ne connais pas la fac, je sais pas ce qu'elle vaut, etc. Alors que je sais que la fac de Lille, elle est vraiment très très bien. Oh, c'est horrible, ça me prend la tête, je sais pas quoi faire. Si jamais, par miracle, il y en a quelqu'un d'entre vous qui a été au master de création littéraire, au Havre, ou qui connaît un peu ce master-là, ou qui connaît la fac du Havre dans les lettres, dites-moi s'il vous plaît, vous serez d'une aide incroyable. C'est vraiment dur ces situations de choix. Mais voilà, je me suis dit que j'allais en parler dans le vlog parce que des fois de parler de trucs comme ça, ça aide à réfléchir. Ça aide tout court parce que ça fait du bien d'en parler. Voilà, c'est des trucs que tout le monde vit. Genre on vit tous ce genre de trucs où on sait pas quoi faire, où on sait pas quelle porte choisir. Et c'est pas facile et... on est tous ensemble dans le même cas, on va y arriver. Sinon pour ma lecture en cours, j'ai dépassé la moitié, je suis à la page 229. J'ai dépassé la moitié mais de vraiment pas beaucoup. J'ai pas encore lu aujourd'hui donc je vais lire tout à l'heure ou peut-être tout de suite d'ailleurs. Ce matin, j'ai lu un peu de Le Château de Hurle et j'en suis tout proche de la fin. Il me reste même pas 100 pages, je crois qu'il doit me rester 80 ou 70 pages. Je suis à la page 353, vous voyez. C'est trop trop bien, c'est vraiment trop trop cool. Je suis à fond dedans et je pense que je vais essayer de le finir maintenant. Parce que je suis vraiment à fond dans l'histoire et j'ai envie de voir c'est quoi la fin et de voir comment ça va se finir. Et... pour l'instant, si ça continue comme ça, je pense qu'il y a de grandes chances que j'achète le tome 2 et que je continue la saga. Surtout que j'ai un bon d'achat chez la Fnac, donc ça serait parfait. Il coûte 15€ et j'ai un bon d'achat de 15€, mais la vie est si bien faite. Donc je pense que le tome 2 il doit coûter 15€ aussi. Je sais qu'il est sorti parce que je l'ai vu la dernière fois que je suis allée à Cultura. Donc je vais finir le livre tout de suite, enfin essayer de le finir tout de suite, je sais pas si je le ferai vraiment, mais en tout cas j'ai très 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 envie de lire, donc je vais lire tout de suite. Hier j'ai eu une après-midi bien productive pour la chaîne, j'ai fait plein de montages, j'ai monté 3 vidéos, dont ce vlog que vous êtes en train de regarder, j'ai monté jusqu'à ce que j'avais filmé hier. Et ce matin, aujourd'hui, j'aimerais bien... poster des annonces de livres sur Vinted. J'ai ces 5 livres à mettre à vendre sur mon Vinted. Si vous avez vu mon book on haul, vous savez de quel livre il s'agit. Je les ai toujours pas mis en vente, alors il faut vraiment que je le fasse. Et puis je voudrais je voudrais éditer des photos pour Bookstagram aussi. Je commence à me lasser de mon feed, ça y est. Je l'ai commencé il y a même pas un mois. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai commencé un nouveau feed où je faisais des petits dessins sur les photos et je crois que je l'aime plus et du coup je pense que je vais peut-être bientôt changer encore une fois. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je pense qu'il y aura moins de gris-gris dessus. Je sais pas s'il y en aura tout court. Peut-être que je vais revenir à un truc plus simple. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Mais il me reste des photos à éditer et à poster. Donc je vais finir mon feed par ces photos-là. Et après je vais voir ce que je veux faire. J'ai pas avancé dans mon livre audio parce que je l'écoute que quand je vais marcher. Et comme il fait pas beau du tout, et je peux pas aller marcher. Donc je ne l'écoute pas. Et comme c'est un livre audio pour lequel il faut être assez bien concentré, j'ai pas envie de l'écouter par exemple pendant que je fais du montage ou pendant que... je fais d'autres trucs parce que j'ai l'impression que je vais louper des trucs et que je vais pas capter bien l'histoire. Mais ça me saoule ce temps, je déteste ce temps où il fait juste gris avec du vent. J'aime bien quand il pleut, j'aime bien quand il fait beau, mais quand il fait juste gris avec du vent, c'est vraiment nul. Genre ça sert à rien, c'est tout pourri. Bref, je vais aller lire, je suis trop trop excitée de savoir la fin de ce livre et je vous en dirai des nouvelles après. J'ai fini Le Château de Hurle, c'était trop trop bien. La fin est vraiment vraiment trop bien, j'adore, j'ai adoré. Il y avait plein d'actions et tout, et puis la toute fin, c'était vraiment parfait. Du coup,
La fin, je trouve qu'elle finit bien l'histoire, donc je sais pas si je vais lire le tome 2. Je pense que je vais lire un résumé du tome 2 pour voir si je le lis ou pas. En tout cas, pour l'instant, je suis satisfaite de la fin, donc j'ai pas une envie pressante de lire le tome 2. Mais je vais regarder le résumé parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture. Ouais, c'était vraiment, vraiment trop, trop cool. J'ai adoré l'évolution des relations entre les personnages et les relations entre les personnages tout court. Elles sont vraiment hyper uniques et elles sont vraiment développées d'une façon unique. Et je trouvais que c'était super bien fait et j'ai trop adoré. J'ai passé un trop bon moment, je vous le conseille vraiment beaucoup, beaucoup. Et maintenant vient le moment fatidique de choisir ma prochaine lecture. J'hésite entre deux livres. Alors, je vais vous montrer ça. Voici mon étagère de pales. J'hésite entre Serpent and Dove et The Midnight Library. Serpent and Dove, c'est de la fantasy avec une sorcière et un chasseur de sorcières. C'est une romance enemies to lovers. Et The Midnight Library de Matt Haig, je ne sais pas faire le résumé, je n'y arrive pas à faire le résumé de ce livre. Je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Donc je vais mettre un petit sondage sur Instagram et je vous tiens au courant du résultat, bien sûr. Et je reviens de la foire fouille, ce magasin trop bizarre. Je sais pas s'il y a ça dans toute la France, mais genre la foire fouille, c'est un peu une. Je sais pas, un truc de déstockage, mais en même temps, c'est pas du déstockage, c'est juste des trucs qui sont archi pas chers. Bref, hier on a reçu. Non, avant-hier on a reçu un catalogue avec mon père et j'ai vu qu'il y avait un trépied qui était vachement pas cher. Et comme actuellement le trépied que j'utilise, c'est pas à moi, c'est à mon père, ça m'embêtait de l'accaparer et du coup je me suis dit que j'allais m'acheter enfin un trépied à moi, donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas ce qu'il vaut, j'espère qu'il va être bien. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un embout pour accrocher les appareils photos, mais aussi un embout pour accrocher le téléphone. Donc ça, pour prendre des photos pour Instagram, ça sera vachement pratique. Mais il était vraiment pas cher, il était genre à 8 €, donc voilà. Mais du coup j'espère qu'il sera bien. Oh god. Ok, donc ça c'est l'embout pour le... Ah non, ça c'est le... Ah oui, il y a une télécommande aussi. Ok, bon, il est léger. Donc pour les gros appareils photo, à mon avis, c'est pas le top. Mais moi, pour ce que j'en ai à faire, je pense que c'est pas mal du tout. Ouais, il est vraiment pas solide, hein. Il a l'air pas mal du tout. Je suis satisfaite. C'est bon, je suis satisfaite. Et j'ai enfin un trépied à moi et je vais pouvoir rendre à mon père son trépied. Et j'ai aussi trouvé un washi tape parce que il y avait des washi tapes, donc forcément j'ai craqué. C'est un petit washi tape bleu avec des petits carreaux comme ça, il est trop chou. Et en plus, il y avait un dérouleur, je crois que ça s'appelle avec. Donc c'est vachement pratique. Donc c'est cool. Sinon, j'ai commencé hier The Midnight Library de Matt Haig. Vous avez vu peut-être que ça a gagné le sondage Instagram. J'ai lu 100 pages, je suis à la page 102. C'est vraiment super super cool. L'introduction était incroyable. Je m'identifie tellement au personnage. Genre, il y avait tellement de phrases où j'étais genre, oh mon dieu, c'est moi qui ai écrit ce livre ou qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je vais vous faire un petit résumé. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est en dépression et qui veut mourir. Et donc, elle arrive dans un endroit qui s'appelle la Midnight Library, qui est un endroit où il y a des tonnes et des tonnes de livres qui sont chacun une version de sa vie si elle avait pas eu un des regrets qu'elle a. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, par exemple, elle voulait faire un pub, elle voulait acheter un pub et habiter dans ce pub et gérer un pub, mais elle ne l'a pas fait, ça elle le regrette. Et donc il y a un de ses livres où elle regrette pas de pas l'avoir fait puisque elle l'a fait, et donc elle peut aller dans ce livre et vivre sa vie si elle avait réalisé ce regret. Est-ce que
Ça a du sens, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ça l'histoire et c'est génial. Enfin, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pour l'instant, ça a des vibes de 5 étoiles, genre vraiment. Je suis trop contente de découvrir Mad Egg et bah, je vous en dirai des nouvelles quand j'en aurai lu plus. On est dimanche, je vous ai pas pris ce week-end, j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait grand chose et surtout j'avais pas envie de filmer, je sais pas, je peux pas envie donc voilà. J'ai fait des trucs mais que j'avais déjà fait cette semaine, ça aurait été répétitif, ça aurait pas été cool. Bref, j'avais pas envie de filmer, j'ai pas filmé, désolée, voilà. Mais hier j'ai fini The Midnight Library de Matt Haig et oh mon dieu, c'était merveilleux ce livre, c'était exactement tout ce dont j'avais besoin. Il va me falloir un peu de temps pour organiser mes pensées, comme d'habitude, j'ai du mal à faire des reviews instantanées, il faut que je note un peu tout ce que je pense et tout, que genre je réfléchisse. Mais c'était. Waouh, c'était trop génial, je lui ai mis 5 sur 5. Et je vais définitivement lire plus de livres de Matt Haig et genre ce livre, je l'ai tellement aimé que j'ai déjà envie de le relire, genre maintenant. Je suis trop trop contente de l'avoir annoté et d'avoir souligné des phrases, etc. Parce que c'est définitivement un livre vers lequel je me retournerai de temps en temps quand j'en aurai besoin. Et je pense que c'est le genre de truc dont j'ai besoin assez souvent. Mais je pense qu'il va rester dans ma tête et qu'il va rester avec moi pendant pas mal de temps. Il m'a vraiment beaucoup touchée et il m'a vraiment beaucoup parlé. Donc voilà. C'était une merveilleuse expérience de lecture et je suis trop contente et je le recommande à tout le monde. Vraiment, on en a tous besoin au moins un petit peu, je pense. Et je suis trop contente de la noter et je pense que je vais faire une relecture bientôt parce que j'ai trop envie de le relire et j'ai envie de la noter encore plus. Oh mon dieu, j'ai tellement aimé ce livre et ouais, j'ai juste envie de le relire en fait. Donc je me le garderai dans un coin pour un moment où j'en aurai besoin encore une fois. Et quand j'en aurai re-besoin, et bah je retournerai le voir. En plus, il se lit hyper bien, il se lit hyper vite, c'est trop agréable. Mais voilà, je sais pas si j'ai l'impression de parler un peu lentement, mais c'est que cette nuit j'ai très très mal dormi. Je me suis réveillée à 4h du matin et avoir si peu de sommeil pour moi, ça ne marche pas, ça ne coordonne pas. Voilà, ça veut rien dire ce que je dis. Mais voilà, je crois que je vais finir le vlog ici. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère vraiment de tout cœur qu'il vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré le faire. Genre, je me suis trop amusée cette semaine à faire ce vlog. Je sais pas, ça m'a. Je sais pas, j'ai trop aimé le faire, donc j'espère que ça se verra et que vous apprécierez ce vlog aussi. Voilà, je galère à parler, désolée. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!